Si Adon Ishvéa la bouteille, aujourd'hui on va traiter d'une question extraordinaire. Je suis sûr que vous vous l'êtes, peut-être vous l'êtes posée, mais en tout cas c'est une question extraordinaire. Cette question m'a retourné. La question est-ce qu'il est possible, écoute ça David, à un homme, une fois qu'il est déjà né, d'avoir une autre Neshama? Une autre Neshama. Tu peux appeler ça Ibour Neshama, mais c'est déjà, je ne veux pas rentrer dans les termes kabbalistiques. Je parle de termes normaux. Un juif qui est né juif, qui a une Neshama, est-il possible... Non, ça c'est là-bas, ça Neshama le quitte. Youssef, t'entends la question? Est-il possible à un juif normal, sans se mettre en colère, Ken, est-il possible qu'il atteigne une autre Neshama meilleure? Oui. Meilleure Neshama. Est-ce que c'est possible? Oui. Qui a dit oui? Mickaël? Non. C'est pas possible. C'est pas possible. Et toi, tu dis oui? C'est pas possible. Oui, t'as déjà vu ça? T'as entendu ça? Dieu nous a déjà créé à la perfection. Non, mais non, Dieu nous a pas créé à la perfection. Dieu nous a créé de sorte qu'on ait un travail à faire pour se parfaire. Mais c'est pas en changeant d'origine complètement. J'ai pas dit changer d'origine. On n'est plus dans le cours d'Alakha. On parle plus d'Ashkenaz et Farad. Pas d'origine. Alors écoutez, vous allez voir. Dame, tu vas voir, j'ai compris. Tu vas voir. Yohanan. Est-ce que c'est lié à la... C'est lié à la Neshama Yetera, bien sûr. Le même exemple, c'est la même idée qu'on retrouve le Shabbat, qu'on reçoit une Neshama Yetera. Mais Neshama Yetera, c'est la Neshama que chaque juif reçoit le jour du Shabbat. Il reçoit une Neshama en plus. Mais moi, je parle de manière constante et fréquente, qui va monter sa Neshama, qui va recevoir une Neshama. Je sais pas, par exemple, imagine une Neshama de quelqu'un de plus grand, de plus kadosh. Est-ce que c'est possible, Rabotai? C'est une question terrible. Abraham! Alors, comme il a ramené Élie tout à l'heure, quelqu'un qui se met en colère, sa Neshama le quitte. Et il peut recevoir, Chas v'Shalom, une Neshama plus petite. Donc c'est possible aussi l'inverse. Mais moi je suis très positif. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que positivement, est-ce qu'on peut améliorer et plus que encore recevoir une nouvelle Neshama meilleure. Il n'y a pas de problème, parler un tikkun, parfois l'âme d'un rav, elle descend pour... Pour aider, mais maintenant elle va prendre la place, une plus grande Neshama, ça c'est Yibour. Alors Rabotai, pour répondre à cette question, d'abord je voudrais faire une petite introduction très importante. T'es avec nous, David? Pourquoi tu rigoles? Ah! Alors, la Gemara dans ma Maseret Kiddushin d'Aflamed Amudbet nous dit... Shalosh Shutafim Yesh Ba'adam. Il y a trois associés dans la création de l'homme. Youssef, c'est qui ces trois associés? C'est nous, c'est Dieu et les parents. Trop fort. Le père, et c'est Marie, la Gemara dit Aviv, Imo, Vakadosh Baruch Hu. Pas dans l'ordre, mais Youssef, il dit d'abord à Dieu. La Gemara dit le père, la mère et Hachem. Le père, la Gemara dans Nida, elle dit. Le Père, il donne toutes les parties blanches du corps, puisque la semence du Père est blanche. La Mère donne toutes les parties rouges du corps. Donc vous allez voir dans votre corps, tout varie entre le blanc et le rouge. Le marron, le noir, tout ça, c'est des nuances qui bougent entre le blanc et le rouge. Parce que le corps corporel de l'homme, Ken, c'est le Père, ça vient du Père et de la Mère. Et la Neshama, donc la Neshama, c'est quoi, Rabotai? La Neshama, c'est ce qui fait vivre le corps, c'est une partie de Dieu. Youssef, écoute, c'est important. Après, on rigole autant que tu veux, frérot. Donc, on va dire que dans le corps, dans l'homme, il y a trois parties. Il y a la partie que le père a donnée, et il y a la partie que la maman a donnée, et il y a la partie que Dieu a donnée. Ah, on peut diviser ça en deux parties. Il y a la partie matérielle du corps, et il y a la partie spirituelle du corps. Le matériel du corps, c'est le père et la mère. Et la partie vivante du corps, c'est celle qui donne la vie, c'est Hachem. Vaipar be'apav nishmat chayim. Hakadosh Baruch Hu insuffle en l'homme un souffle de vie. Donc, c'est sûr que la partie que le papa et la maman ont donnée, elle n'est pas très changeable. Elle a été fixée au début, à la conception, ça va rester jusqu'à 120 ans. Mais la partie que Dieu a donnée, ma question elle est sur la partie qu'Hachem a donnée. Est-ce qu'un homme peut recevoir une neshama plus grande? Et si oui, comment? Ah, la réponse, elle est oui. C'est quoi tes sources? Non, mais si la réponse était non, il n'y aura rien à faire.
Et c'est... Eh bien, la partie que Akadosh Baruch Hu a donnée à l'homme, on peut la changer et l'améliorer. La question, c'est comment ? Ah ? Hoppa ! C'est le sujet qu'on dit. Il dit le Nefesh Achaim, dans Shahar Dalet Perek Tedvav, que lorsqu'un homme étudie la Torah, on a parlé de toutes les bonnes influences qu'il fait autour de lui. Il fait autour de, il influence sur Hachem, Kaviachol, qu'il est comme. Il fait en sorte que Kadosh Baruch Hu, il est sa mère. Il influence sur tous les mondes. Il influence sur le monde matériel. Mais pas seulement ça. Et là, Amevarer, celui qui bénit, il est mitbarer, il se fait bénir. Ça veut dire, en étudiant la Torah, tu bénis grâce à toi. L'abondance, elle descend. Grâce à ton étude, elle descend l'abondance dans tous les mondes. Sache que toi aussi, tu te fais bénir. Mais jusqu'à où tu peux te faire bénir? Alors il dit, écoutez le Nefesh HaChaim. Mibirkatam shel ha'olamot, de la bénédiction de tous les mondes. Yevorach gam ha'adam ha'osekba. L'homme qui étudie la Torah, qui est affairé, qui s'affaire à l'étude de la Torah, va se faire bénir. S'il étudie ba kara'u ila amita, comme il faut, il est mechaven le émet de la Torah. Ça veut dire qu'il arrive à comprendre ce que la Torah elle veut. Uchvod Hashem chofef alav. La splendeur de Dieu se pose sur lui, kol ayom, toute la journée. Et là, le chidouche, il arrive. « Umasig le neshama atsula mimakom kadosh » Et il atteint une neshama prise d'un endroit kadosh. Et ça, ça dépend de quoi ?« Lefi erer godel isko vedibukoba » En fonction de la manière dont il s'affaire et il se colle à la Torah. Ça veut dire, il peut décrocher une neshama atsula mimakom kadosh, mais plus il va s'investir dans son étude. Karaoui. Les filles Erer Godel Isko Vedibukoba. Ça veut dire en fonction de son étude, en fonction de combien il est collé à la Torah, combien son esprit est investi dans l'étude, dans la méditation et dans la compréhension de la Torah, et plus il a la possibilité de décrocher une nouvelle Neshama haute, élevée, à un niveau supérieur. Parce que vous savez que la Neshama, elle réside où dans le corps? Chazak, c'est magnifique. D'où vous savez ça, Ichot Filin? Dans Ichot Filin, il y a marqué Siman Chaf Ei. Vous devez tous les matins, vous le dites. Ichaved Memarchavto. Un homme doit penser quand il met les Tfilin. Les Sha'abed et Aneshama Sheiba Moach. Et Alev Sheu Ikar Amarchavot Vatavot. Un homme doit penser quand il met les Tfilin. Tfilin Shenroch, c'est Kedeged à Moach. Et il dit le Shulchan Aruch, Yechaven Neshabed est un Neshama Sheim Amoach. Il doit penser, en mettant les tefilines, de l'Eshabed. Quelqu'un sait ce que ça veut dire l'Eshabed en français? Asservir, Shi'aboud. Asservir sa Neshama qui se trouve dans l'esprit. Donc on voit, et le cœur, c'est l'état avot, c'est les désirs. Donc il doit servir les deux, et la pensée et les désirs. Donc on voit de ce Shulchan Aruch que la Neshama réside où? Dans le voir, dans le cerveau, dans l'esprit. Donc c'est quoi la Torah? C'est où que ça se passe la Torah? C'est dans l'esprit. Donc quand tu étudies la Torah, tu te casses la tête à comprendre la Torah, alors ta Neshama, elle peut monter et tu peux décrocher une Neshama dans un corps plus kadosh. Plus tu vas t'investir et plus tu vas étudier la Torah, et je rajoute un élément très très important à mon taille, c'est plus tu vas étudier Bessimcha, avec joie. Parce que quand il y a de la joie à mon taille, et la bonne humeur. Alors, et le cœur s'ouvre. Et la Torah, elle est encore plus. Elle rentre encore plus dans l'homme. Ça veut dire, pour mieux comprendre. Et ça, c'est Badou Koumnoussé. Ça veut dire, c'est quelque chose qui est prouvé et qui est attesté, Rabotai. Vous comprenez que quand vous êtes de bonne humeur, comme il a dit Yosef, quand vous êtes de bonne humeur, vous comprenez mieux la Torah. Des fois, quelqu'un, il est triste, ou quelqu'un lui a mal parlé. Ça dépend. Non, je pense pas que ça dépend, moi. Quand tu es de bonne humeur, j'en suis sûr, tu comprends 10 fois mieux que quand tu n'es pas de bonne humeur. Quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un qui s'assoit et étudie la Torah, tu comprends beaucoup mieux. Ah c'est ce que je dis, ça s'appelle en hébreu Ptichat Alev. Le cœur s'ouvre. Et quand le cœur est ouvert, tout peut rentrer. Mais quelqu'un qui est joyeux, il est joyeux pour une raison précise et cette raison peut le déconcentrer de l'étude. Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Mais sache que quelqu'un d'intelligent, il va être tout le temps mechaven, il va toujours diriger sa joie dans ce qu'il fait à présent. Il a gagné un million, il a gagné 1000 shekels. Il est joyeux, dirige-la dans l'étude maintenant. T'es content? C'est pas très difficile. Tu sais quoi? Des fois, il y a des talmidei chachamim, tu sais ce qu'ils font? Avant d'aller au seder, ils achètent un chocolat.
Parce qu'ils savent que le chocolat va leur faire plaisir. Et si ça leur fait plaisir, ils vont être de bonne humeur. Et s'ils sont de bonne humeur, ils vont mieux étudier. Donc le paramètre de la Simcha Ravotai, c'est quelque chose de très très important. Très très important. Allez, j'écoute. Non, l'âme, c'est quoi? Du coup, est-ce que c'est nous-mêmes ou c'est un véhicule? Parce que si c'est nous-mêmes, comment on peut la changer? Alors, il dit ici le Nefesh HaChaim, je vais traduire, après j'ai ramené un Zohar, Umasig le Neshama Atsula Mimakom Kadosh. Umasig le Neshama Atsula Mimakom Kadosh. Il décroche une âme prise d'un endroit Kadosh. Ça veut dire, en étudiant la Torah, il peut décrocher une nouvelle âme. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Ibur Neshama, changer sa Neshama. Ce qui est sûr, c'est qu'en se collant à la Torah, on peut faire entrer en nous quelque chose qui n'était pas chez nous. Ça s'appelle, selon le Nefesh HaChaim, une Neshama. Ça veut dire, la meilleure manière de te parfaire en tant que Ben Adam, en tant qu'homme, la meilleure manière, la plus efficace de pouvoir changer ton intérieur, c'est combien tu t'affaires avec joie dans l'étude de la Torah. Plus tu vas t'investir et plus tu vas te transformer. Maintenant, écoutez le Zohar HaKadosh. Omer HaZohar HaKadosh, écoutez bien. Écoutez, alors le Zohar HaKadosh, il est terrible. Akdama, Daf Yud Bet Amud Bet, 12b. Je lis directement et je traduis. Yesh mitzvah la sok ba Torah. Il y a une mitzvah d'être affairé à l'étude de la Torah. Vela amol ba, et de s'y investir. Bechol yom, tous les jours. Pour l'etaken nafsho ve rucho, pour parfaire son âme et son esprit. Omer HaZohar. Mikevan chez Adam ou sek ba Torah. Lorsque l'homme est affairé à l'étude de la Torah, ou mit taken, il se parfait, beneshama acheret kdosha, en recevant une autre neshama kdosha, sainte. Et il prouve ça le Zohar après du pasouk, sheret nefesh chaya, que par le fait que tu parles de ta parole dans l'étude de la Torah, fait descendre, que osek ba Torah beoto arachash, par le biais de la parole, chez Dovevba, qu'il parle dans la Torah, c'est pour ça que c'est très important, de parler, pas de lire la Torah. Quand vous étudiez la Torah, des fois on a besoin de réfléchir, c'est pas sourd, on peut réfléchir sans sortir. Mais c'est très important de sortir, parce qu'il dit le Zohar HaKadosh, parce que c'est par cette parole que tu sors de ta bouche, que tu es zoché le nefesh chaya, tu es zoché d'une nouvelle âme vivante. Noravayom. Est-ce que vous savez qu'après Kiddush Levana, on lit un pasouk 7 fois? Vous connaissez le pasouk qu'on lit 7 fois après Kiddush Levana? Non. Mais tu sais tout, toi. Chazak. C'est un pasouk qui est écrit où? Dans Tehilim. Le pasouk dit comme ça, je répète ce qu'il a dit, Hanan. Après Kiddush Levana, on répète 7 fois. Lev Taor Berali Elohim, Veruach Nachon Chadesh Bekerbi. David demande à Hachem, Lev Taor. Un cœur pur. Berali Elohim, crée-moi Dieu. Ça veut dire, Hachem, David demande à Hachem, crée-moi un cœur pur. Veruach Nachon, et un esprit prêt à faire ta volonté. Chadesh Bekirbi, renouvelle en moi. Il dit le Zohar à Kadosh, Alze Amar David, lève ta or Berali Elohim. David Amelech, il dit Hachem, crée-moi un cœur pur. Pour la asok ba Torah, pour affairer à l'étude de la Torah, ve'az, ve'ruach nachon chadesh bekirbi, et mets en moi un nouvel esprit, un nouveau, une nouvelle neshama. Le Zohar dit, c'est ce que David a demandé. David a demandé à Hachem deux choses. En fait, c'en est qu'une. Mais le Icar, c'est quoi? Lev ta'or berali Elohim. Un lève pur, donne-moi Dieu, pour la asok ba Torah. Parce que quand tu as un lève pur, alors il n'y a qu'une chose qui t'intéresse. C'est à faire, étudier la Torah, étudier ce que la Torah elle dit. T'es pas curieux à savoir d'autres choses, ce qui se passe avec tes proches, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe avec... Ce qui t'intéresse, ta curiosité, c'est la Torah. Connaître encore la Torah. David avait l'air demande à Hachem, lève ta or, berali Elohim, pour que je puisse être au sec de la Torah. Et alors, ve'az, ruach nachon, chadesh mekirmi, tu vas me donner une nouvelle âme. Parce que c'est grâce à l'étude de la Torah que je suis zoché d'une nouvelle âme. Ça commence par notre travail, Rabotai. Plus on va se déconnecter des choses extérieures à l'étude de la Torah. Je n'ai pas dit que, Chas v'Shalom, on va me dédaigner, mépriser. Je n'ai pas dit ça. On a dans notre esprit, on va dire, 100 cases de connaissances, de savoir, de curiosité. Ne les utilisons pas pour autre chose.
utilisons-les pour la Torah. Investissons dans la Torah parce que c'est par la Torah et grâce à la Torah qu'un homme il peut s'élever, il peut gagner la perfection dans ce monde. Pourquoi c'est grâce à la Torah? Car Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on se donne, nous, ses enfants, à la Torah Kadosha. Plus on va se donner à la Torah Kadosha, plus le monde va arriver à sa réalisation, à concrétiser la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu a créé le monde. On demande à Hachem, lève Taor Berali Elohim. Lève Taor Beralanu Elohim. Veruach Nachon Chadesh Bekir Benu. Amen, Kani Ratson.